Talita cum se temo evangélique, ça se trouve dans Marc. Talita cum veut dire jeune fille, lève-toi et marche. La situation est arrivée à cause de la guerre. Alors à ce moment-là, les centres étaient fermés. En fermant les centres, comme si on n'utilisait pas la maison, il y a des termites qui rongent maintenant les planchers, les portes, ainsi de suite. C'est pourquoi le centre est arrivé en dommage. C'était en août 2010, quand il y avait une session de chirurgie ici avec le docteur Jacob Mathieu de l'Inde. Et je suis venu pour chercher une paire de chaussures pour un malade qui était opéré. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la sœur Mélanie. Et au moment où j'étais là, j'ai vu la fillette Rachel qu'on amenait, qu'on transportait par son père avec une déformation et les membres inférieurs qui étaient paralysés. Les jambes étaient paralysées. Et la sœur m'informera qu'en septembre, on devait fermer ce centre parce qu'il n'y a plus de financement. Et alors j'étais tout à fait touché parce que c'était quand même la tuberculose et nous nous occupons de la tuberculose. Et je ne savais pas que la tuberculose osseuse, donc le mal de pote comme on dit, la tuberculose de la colonne vertébrale était soignée ici et qu'on hospitalisait les gens ici. Et que les gens n'avaient pas de plâtre, par exemple, et que le centre n'avait pas de financement. Le projet consiste à réhabiliter ce centre, la toiture qui est vraiment en très mauvais état, les murs qui sont fissurés et il y a aussi les sanitaires. Il n'y a pas de toilettes qui conviennent pour les malades handicapés, les sanitaires, et aménager, équiper aussi le centre pour renforcer la kinésithérapie ici. Le grand problème se trouve ici. Tout ce qui est détruit ici, ça, c'était la salle de mécanothérapie. Maintenant, suivant le plan, nous voulons que ce soit et la cuisine et les installations sanitaires. Ah, Dieu merci. On peut voir, hein? Donc, ici, ce sera la cuisine. C'est dommage ce que la pluie a fait ici. Vraiment, tout est détruit. Oui, très dommage. Oui, donc bientôt il y a un chantier, le chantier Damien qui va venir pour pouvoir vous aider pour ça. Okay.
merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Action Damiens veut s'engager vraiment en faveur de cette zone de santé. J'espère qu'on peut continuer dans une bonne collaboration et j'espère qu'on peut réaliser beaucoup de choses ici ensemble pour le bien des malades. Un grand merci. Ah, voilà. 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 Attention. Bon, on fait comment? On va. Bon, ok. Voilà. Ok. Baptême. Ok. Je vais prendre la bière.